partir du majestueux Saint-Laurent dans le comté de Rivière-du-Loup. À la Clairefontaine, m'en allant promener. À la Clairefontaine, m'en allant promener. J'ai trouvé l'eau si belle que je me suis baigné. Tu danses bien, Madeleine, rythme ton Madelon. T'accordes bien, Madeleine, du talon, Madelon. T'accordes bien, Madeleine, du talon, Madelon. Tous les feuilles de chêne, je me suis desséché. Sur la feuille de chêne, je me suis desséché. Sur la plus haute branche, le rossignol chantait. Danses bien, Madeleine, rythme ton Madelon. T'accordes bien, Madeleine, du talon. Présentera tantôt. Comme vous voyez, il y a des chansons, il y a de la danse ce soir à notre émission Soirée canadienne. Quel plaisir pour nous que de vous faire découvrir la Soirée canadienne, tout le charme traditionnel de Trois Pistoles dans le comté de Rivière-du-Loup. Dans une heure de chansons, de danse puisées à même notre patrimoine folklorique. Et vous allez voir que ça va être fameux ce soir. Après la chanson de Mme Gendron, nous allons vous présenter M. Paul Belzile. Bonsoir, M. Belzile, un jeune homme. Un tout jeune homme. Qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie? J'étudie au cégep de Rimouski. Ah bon. Un étudiant du cégep. Qui chante le folklore. Y a-t-il quelque chose de plus beau? On va écouter ça. Allons. Nous avons fait un petit festin, un festin de campagne. Nous avons fait un petit festin, un festin de campagne. Nous invitions tous nos parents, nos voisins et leurs femmes. Nous invitions tous nos parents, nos voisins et leurs femmes. Tout le monde chantait, puis moi je criais. Qui font pas du fun, y'en avait pour tout le monde. C'est venu sur les minuit, on décore les tables. C'est venu sur les minuit, on décore les tables. Avec des fleurs de pissenlit et des cotons de rhubarbe. Avec des fleurs de pissenlit et des cotons de rhubarbe. Tout le monde chantait, puis moi je criais. Qui pompant du poigne, y'en avait pour tout le monde. J'avais le joueur de violon qui fait pas mal en fête. J'avais le joueur de violon qui fait pas mal en fête. Et qui cherchait son arc-en-son à quatre pattes sous le poil. Et qui cherchait son arc-en-son à quatre pattes sous le poil. Tout le monde chantait puis moi je criais. Qui pompant du poigne, y'en avait pour tout le monde. Compositeur de cette chanson, il est pas bien loin de vous autres. Compositeur de cette chanson, il est pas bien loin de vous autres. Si vous lui passez le flacon, il en chantera une autre. Si vous lui passez le flacon, il en chantera une autre. Tout le monde chantait, puis moi je criais. Puis pompant du poigne, y en avait pour tout le monde. Trois Pistoles est une petite ville coquette située en bordure du majestueux Saint-Laurent dans le comté de Rivière-du-Loup. Dominée au sud par une chaîne de collines ondulantes, parsemée de forêts, de lacs et de rivières, elle est l'antichambre de ce paradis tant recherché par les chasseurs et pêcheurs. Entourée au nord par de nombreuses îles, soit les Razades, les Îlets, l'île aux Basques, Trois Pistoles est le pied-à-terre de nombreux touristes. Au-delà de 300 ans, on façonné l'histoire de Trois Pistoles, dont le nom vient d'un gobelet d'argent valant trois pistoles qui a été perdu dans la rivière du même nom par un missionnaire colonisateur. À la naissance du patelin, la chasse et la pêche fournissaient aux pionniers les moyens de subsistance.
des générations ont travaillé à la coupe du bois et au défrichement pour ouvrir la voie à l'agriculture et éventuellement à l'industrie. Ce fut l'ère des moulins à scie, à planer, à carder, à moudre, tous actionnés par l'eau des rivières. Depuis, la vie économique a beaucoup changé à trois pistoles. Le commerce est florissant et l'agriculture est devenue l'affaire de cultivateurs progressifs. Nombre d'industries prospèrent, assurent plusieurs emplois stables à la population locale. On y trouve, entre autres, le bassin laitier, un complexe où l'on produit lait, beurre, fromage et poudre lactée. Mentionnons aussi une fabrique de fer forgé, une usine de blocs et de tuyaux de béton, une usine d'asphalte, une fabrique de portes, châssis et armoires, une coopérative des chômeurs, organisme producteur de meubles anciens et de réparations diverses. À Trois-Pistoles, on trouve en plus la maison du notaire, le rendez-vous des artisans et artistes où l'on fabrique toutes sortes d'objets d'art sous la direction de professeurs spécialisés. Les installations portuaires contribuent leur part à l'activité économique en permettant l'exportation des produits locaux et en stimulant l'industrie touristique, une des plus importantes dans cette région. Parmi les institutions de Trois-Pistoles, mentionnons l'église Notre-Dame-des-Neiges, datant de 1882 et à l'allure d'une imposante cathédrale faite de pierres des champs à l'extérieur et de bois ciselé et doré à l'intérieur. Ce temple de style roman et byzantin, avec transepts latéraux, retient beaucoup l'attention des visiteurs. En plus des écoles élémentaires, il y a l'école polyvalente qui reçoit les étudiants du secondaire de Trois-Pistoles et de 10 paroisses adjacentes. C'est également dans ces maisons d'enseignement que des cours de français pour anglophones des autres provinces sont donnés depuis 44 ans. D'autres services sont offerts à la population, dont ceux du centre culturel, du centre paroissial, du pavillon des sports, des postes de police et d'incendie, et j'en passe. Tout cela fait de Trois-Pistoles un endroit agréable où vivre et travailler. On est fier de ses origines, fier de sa culture et fier de son folklore que l'on tient à garder bien vivant. S'arrêter à Trois-Pistoles, c'est faire la connaissance d'une population québécoise dans le sens le plus authentique du terme.